Montre-nous ce que tu sais faire. Eh bien... je sais faire plein de choses avec les tentes. Comme la déplier. C'est vrai que c'est un peu galère comme truc. Pas grand chose. Ça vient où ça? C'est trop petit ou quoi? A mon avis, ce fil rouge c'est une sécurité, faut que tu l'enlèves. Sérieux? Sans blague? Ouais, faut que tu décroches le mousqueton. Mec, je pense pas. Pourquoi? Il est long, eux. Moi, je comprends rien à tout ça, hein. Ça me dépasse. Bah, il faut planter. Ah bon, ouais. Apparemment ça se termine sur ce mot kékette. Comment il fait? Il plante des sardines. Comment il a fait? Il a planté des sardines. Voilà, opération bouclée. Bah, pire à nous. Bah, c'est simple, regarde, tu essaies d'être des plis au maximum et tu tombes des piquets sur chaque sardine. Pourquoi non? Ouais, mais regarde, il y a une sorte de fil rouge bizarre là. Ah, mais le fil rouge en fait c'est le système révolutionnaire. Ouais, c'est quand tu veux la replier en fait. Regarde, je vais te montrer un truc. Regarde. En mettant ton pied là-dessus, ouais. En tirant, ta tente se replie environ 10 secondes alors qu'avant tu mettais une heure. D'accord. C'est révolutionnaire. C'est la high tente. C'est une révolution. Donc tu nous aides? Eh ben on se débrouille pas si mal. Il paraît que Kim Kardashian et Chris Humphries. Après qui c'est? Bah ils vont pas être ensemble. C'est bête. C'est dommage, moi je les aimais bien tous les deux. Eh, je la connais, lui non, mais je les trouvais bien tous les deux. Oh le geek, il fait beau, il a son ordi, le geek. Certes. Le moment chiant. Je pompe l'air. Et s'il fait un bruit plutôt ridicule? Bien sûr, je n'en suis qu'à 50% de mes capacités. Quand je suis à fond, ça donne un truc comme ça. Tu peux arrêter de filmer, s'il te plaît. Tu entends ça, mec? Ouais, c'est assez flippant. Il y a des points inquiétants. Oh putain. D'où ça vient? Tu crois que ça vient de l'intérieur? Je sais pas. Je pense pas. Oh putain. Tiens, prends la caméra. Ouais. Si vous voyez cette vidéo, surtout, bah ne faites rien, parce que c'est un canular. Voilà. Il fait beau et tout ce que tu fais c'est jouer à la guitare. Bah, y'a rien d'autre à faire. Cet argument se tient. Léo, en direct d'un parking. Oh, prestige. Je vais tournoyer autour de lui parce que ça fait un effet cool. Et branché. J'aime ce jeu de caméra. Alors moi, perso, ça me donne le tournis. Mais je trouve ça drôle. Voilà, voici Avignon. Les Jeunes d'Arc à Avignon. C'est dans le sud, pour ceux qui ne connaîtraient pas. Dans le 84. Les gars. Ouais! Pas bien! C'est interdit au mec, mais je l'ai quand même lu! On voit pas son nom là, tu le caches! Oh. Mais tout le monde reconnaît sa gueule! Après Avignon, Marseille! Cette eau n'est pas polluée, il n'y a aucun déchet là-dedans.
love Marseille. Regardez là-bas, c'est basilic. Le transport Robert, ça c'est la classe. Ici à Marseille va se dérouler le concours mondial de la boule de pétanque. Parce qu'ici à Marseille il y a la boule de pétanque, et bien ça il y a la boule de pétanque. Il y a la boule de pétanque à Marseille. Il y a la boule de pétanque ici à Marseille. Il y a la boule de pétanque. Ouais. Et c'est dans cette petite ville de Marseille que j'ai réussi à trouver un vinyle que je cherchais depuis longtemps. Je suis content. Très content. Ce soir c'est la fête. Yeah. Ce soir on va se burrer la gueule. Ouais. Non. Ah,